voudrais d'abord remercier le Premier ministre de la visite. Et c'est, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est la première fois qu'une autorité du pays soit venue à la MATPAR. Et MATPAR, c'est une entreprise qui a 58 ans sur le marché. Les produits que nous fabriquons, comme vous pouvez le voir, c'est depuis le Tropitex, qui est très connu, jusqu'au Suprême, et produits de qualité. Nous insistons sur la qualité des produits. Nous voulons offrir au marché haïtien un produit qui puisse faire compétition aux produits importés. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur la MATPAR. Je voulais juste remercier tous les employés de la MATPAR pour les efforts qu'ils font pour nous permettre d'offrir ces produits de qualité à la clientèle. En particulier, ceux qui ont plus de 30 ans avec nous. Je veux commencer par Mme Mirville, qui a 94 ans d'âge, qui est toujours à la MATPAR. Je ne vais pas continuer parce que je ne veux pas faire de jaloux. Merci, Premier ministre. Et j'espère que la clientèle reconnaisse la qualité des produits de la MATPAR. Toute génération venir là, tout le monde nous tendait MATPAR depuis Ntimoun. Et nous connaissons que son produit d'excellente qualité et qu'il est même utilisé également matière première locale. Donc, son industrie qui a aidé à créer emploi, qui a aidé à valoriser la production nationale. Donc, c'est dans le cadre de ça que visite ça au fait, c'est vraiment identifier des entreprises qui non seulement a aidé à créer emploi, mais bail pays a une meilleure image, non seulement sous marché local haïtien, mais également accompagner l'entreprise ça pour aller à l'international. C'est la seule façon pour créer un pile d'emploi et créer un pile de richesse, c'est vraiment produire des biens qui ont bonne qualité et qui cap fait compétition avec l'autre bien, l'autre monde, l'autre pays. Et produits ça identifié là, c'est des produits qui, en principe, avec un minimum d'accompagnement, qu'a aidé nous vraiment joindre des marchés plus élargis, donc créer plus d'emplois dans la filière de production qui concerne eux. Félicité et entreprise MATPAR pour 58 années depuis nous sous-marché à que nous avons bail bon service bail population dans des conditions difficiles. Nous souhaitons faire une visite, nous souhaitons faire une rencontre avec responsable MATPAR et nous relever un bagage. Nous relever que, premièrement, il faut que le gouvernement, l'État et tout peuple haïtien acheter haïtien, supporter entreprises locales. Pour une raison bien simple. Parce que le plus que entreprises locales sont capables de vendre, c'est plus de jobs qu'ils ont créé, c'est plus de familles malheureuses qui ont sorti dans la malcité, qui ont sorti dans la misère. Et on a créé une société qui est plus inclusive, on a créé une société qui est plus juste à travers renforcement entrepreneuriat. Et entrepreneuriat, son bail que pour nous supporter au maximum. Et c'est dans le cadre ça que je viens là aujourd'hui pour me supporter entrepreneuriat privé, pour me supporter, eh bien, qu'aucune chaîne d'effort qu'a fait à travers entreprises locales. Et c'est pour ça que je m'encourage tout le monde à acheter haïtien. Dans ce sens, nous discutons avec Philippe, nous discutons avec tout responsable MATPAR pour qui est le plus gros problème que vous avez confronté. Et le plus gros problème, c'est le problème contre la bande sous frontière. Nous connaissons que le gouvernement a engagé une lutte acharnée contre la contrebande. Côté que nous avons plusieurs brigades, nous renforcer présence sous douane, nous avons plusieurs brigades mixtes, la police, la douane, unité de lutte contre corruption. Nous avons 125 agents douaniers qui ont fait contrôle douanier sous frontière et dans différents points dans le pays. Nous allons renforcer l'unité ça.